Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on va faire un unboxing. Et ça faisait d'ailleurs super longtemps qu'on n'en avait pas fait. Donc là on est plutôt contente, surtout qu'aujourd'hui j'ai très très hâte de déballer ce qu'on va déballer. Du coup en fait on est en partenariat avec Trading Pop Market. Donc ce site, c'est un site qui vend des figurines pop. Et en fait vous pouvez pas seulement juste acheter des figurines pop, vous pouvez aussi les vendre. C'est ça qui est cool, c'est pour acheter et vendre des Funko Pop, et en plus dans dans 14 pays différents. Donc c'est ça qui est cool. Et en plus ils ont tellement de modèles vraiment, donc bien sûr le site est en barre d'infos donc vous pourrez aller voir forcément si ça vous intéresse, mais vraiment ils ont plus de 1000 modèles différents de pop, et vraiment il y a de tout, il y a du Marvel, des animés, des pop de dessins animés, des pop de films, des chanteurs, plein de personnalités. Franchement il y a du choix, je peux vous le dire, il y a beaucoup beaucoup de choix. Même nous on a eu du mal en fait à faire notre choix, enfin moi un peu moins parce que j'ai trouvé mon bonheur mais franchement avec le choix qu'il y a, on a un peu du mal à faire son choix en fait, parce que la marque nous a contacté pour qu'on choisisse 10 pop. Et bah du coup on a choisi. Donc bon, par contre moi, bon vous allez se voir pourquoi, mais d'habitude on fait toujours un peu 50-50 entre nous deux. Donc là en fait on aurait fait 5 pour moi et 5 pour Léane, sauf que moi j'en ai pris 7 et du coup Léane elle en a 3. Mais vous allez voir pourquoi, puisque bah j'ai tout simplement déballé le carton. On va l'ouvrir. Oui. Oh my god, je vois déjà une pop. Du coup je commence ou pas, parce que ouais. J'en ai plus et du coup toi tu pourras tout montrer après. Bah au pire on fait chacune notre tour, même si... Enfin voilà quoi. D'accord, merci pour cette explication. Bon moi je vous les montre une par une, mais déjà vous pouvez voir derrière. Comme ça je peux bien vous les montrer. Bah, je peux vous montrer chaque membre. Du coup voilà pourquoi moi j'en ai pris 7 et Léane 3. Donc je pense que même si vous les suivez pas forcément, vous connaissez tous de nom BTS, qui est un groupe de K-pop sud-coréen. Et du coup j'ai décidé de choisir les pop Dynamite dès que j'ai vu qu'elles y étaient. En plus elles viennent tout juste de sortir, donc là j'essaie presque à leur sortie quoi. Et quand j'ai vu qu'elles y étaient, bah forcément j'ai sauté dessus, j'ai sauté sur l'occasion. Du coup je suis trop trop contente. En plus regardez, elles sont magnifiques. Donc ça c'est Jimin. Pour ceux qui suivent BTS, vous pouvez reconnaître la tenue qui est bien la tenue du clip, enfin pour chacun des membres, mais c'est ma tenue préférée celle-ci. Donc voilà, Jimin. Après t'en montres une ou je continue? Mais comment tu me regardes? Bon, je vais en montrer une deuxième. Bon bah ça c'est le leader du coup, RM ou Namjoon de son vrai prénom, vous l'appelez comme vous voulez. Il est trop swag. J'adore. Non mais en plus je trouve elles sont hyper bien faites, genre même, enfin ses cheveux, la coupe c'était exactement ça, et enfin même les tenues du coup elles sont hyper bien faites, j'adore, c'est hyper réaliste, c'est exactement ça quoi. Après tu peux en montrer une à toi parce que clairement là il y a les trois. Hein. Bah ouais. Ah, bon. Ah ouais oui. Regarde. Bon attends, dès que si j'arrive à la sortir. Moi j'ai pris des figurines pop de One Piece. Bah parce que j'aime bien ces animés. Ouais. Donc là c'est Crocodile. Ou même les détails, genre il y a son petit truc de sable. Je sais pas comment on appelle ça, mais une tornade, non? Ouais. On va dire ça. Hey, voilà. Et attends, et oui. Le cigare. Oui. S'il te plaît, quand même. Voilà. Bon ouais, moi, enfin faut savoir que si vous nous suivez, vous savez que Léane elle adore les animés depuis très longtemps. Et du coup bah One Piece c'est un de tes préférés ou ton préféré? Bah mon préféré. Son préféré. Bon moi je connais que le personnage principal, donc lui je sais pas qui c'est, mais c'est grave stylé par contre. Moi aussi j'aime bien les animés, Léane elle a réussi à me mettre dedans il y a quelques mois. Ouais. Avant je disais non j'en regarderai jamais. En fait Léane elle a réussi à me faire kiffer. Du coup moi aussi j'aime beaucoup les animés, mais là j'avais envie de prendre BTS quand même.
j'étais très tentée. Parce que bon, faut savoir aussi pour ceux qui nous suivent, j'adore la K-pop, mais BTS c'est mon groupe préféré, vraiment c'est mes number one quoi. Ah, J-Hope, lui c'est le rayon de soleil du groupe, si vous le connaissez pas, il est génial, je l'adore. Et du coup là avec sa tenue et ses lunettes, swag aussi. Waouh, il est trop beau. Ah non mais comment elles sont trop belles. Ah, je suis trop contente. Ok, je vais encore en montrer une et après une deuxième pour Léane. Là c'est V. Lui aussi c'est, j'adore sa tenue, c'est ma deuxième tenue préférée après celle de Jimin, donc hyper bien faite. Même la coupe de cheveux. Waouh. J'adore. J'admire. Ensuite, Léane. Ah oui, prendre. Je vous présente du papier. Papier. Voilà. Super cadeau de la part de Trading Pop Market. Bon, du coup, après, j'en ai pris une deuxième de One Piece. Bah, les trois, c'est One Piece. Bah, oui, je sais, mais genre en montrant une par une, quoi. Ouais, ouais. Bon, du coup, j'ai pris Sabot. Waouh. Putain, puis détail de son œil là autour. Ouais. C'est. Waouh. Ouais, c'est bien fait. Ouais, franchement, j'admire ceux qui fabriquent les figurines pop parce que c'est tellement réaliste. Il y a tous les détails et tout. C'est comme en vrai, quoi. Bon, moi, il m'en reste 3 là. Oui. Bah, je vais vous montrer Jungkook. Haha. Trop beau. Ouais, franchement, sa coupe, elle est ultra stylée. Déjà que dans le clip, j'adorais sa coupe de cheveux, mais elle est hyper bien faite, même en pop, quoi. Mais en fait, j'adore, c'est qu'ils font aussi des boucles d'oreilles. Je sais pas si vous voyez sur le côté, mais il y a la boucle d'oreille de Jungkook. Et j'ai remarqué aussi qu'ils l'ont fait pour V. Il a aussi sa boucle d'oreille. Attends, ils font des oreilles? Oui. Ouais. Après, ils font les oreilles et les boucles d'oreilles qui vont avec. C'est génial. Du coup, bah mon bias, Suga, mon baby. Waouh. Et la boucle d'oreille aussi. Voilà, j'adore. Puis ils ont tous la pose, hein. Ils prennent la pose chez Bétail. Ouais. Du coup, bah, il nous en reste plus qu'une chacune. Tu veux montrer d'abord ou... Bah ouais. Ok. Donc, autour du papier. La dernière pour Léane. Ouais. Bon, voilà. J'aurais pas pu prendre des figurines One Piece sans prendre Luffy, hein. Bah oui, logique. Waouh. À la base, il a un chapeau. Ouais, mais il est derrière son chapeau. Parce que ça, c'est avec une autre tenue qui est pas dans le dernier arc, quoi. Ok. Parce que j'ai jamais regardé One Piece, donc je sais pas. Je savais pas que des fois il enlevait un peu son chapeau, genre. Et du coup, le septième, pour moi, c'est Jin. Ah, le papier est coincé. Waouh, il est trop mignon. En plus, Jin dans BTS, il est grave sous-côté. On le met pas beaucoup en avant. Du coup, là, je trouve en plus, il est hyper mignon. Donc, je comprends pas. Mais en tout cas, je l'adore, moi, puisque j'aime tous les sets. Enfin, même si j'ai un préféré, j'adore les sets. Donc, voilà, je suis trop contente. Elles sont trop belles. Ah, ah, ah. On peut lire la joie sur mon visage. Et toi, t'es contente aussi des tiennes? Bah ouais, elles sont grave belles. Ouais, franchement, elles sont stylées, hein. Même si ces deux-là, je les connais pas, ça n'empêche qu'elles sont hyper stylées. Donc bon, c'est un peu le bazar. Je sais pas si vous voyez tout, mais... Waouh. Voilà nos figurines.
Donc bah en tout cas merci beaucoup à Trading Pop Market parce que franchement on est trop contente et puis en plus le site est génial, donc vraiment n'hésitez pas à faire un tour, le lien est en barre d'infos et en plus aussi dans la barre d'infos vous le verrez, donc c'est pour ça que c'est important d'aller voir les barres d'infos, c'est qu'ils sont sur tous les réseaux sociaux, enfin presque, mais ils sont sur Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, donc il y a quand même pas mal de réseaux, donc ils sont vraiment partout, du coup vous pouvez aller les checker sur leur réseau. Mais en tout cas merci beaucoup à eux et merci à Léane aussi de m'avoir autorisé de pas faire 50-50 parce que bon ça m'a fait un peu de peine quand même pour elle, mais ça va, c'est que Léane, faut savoir que elle est très gentille et ça l'a pas du tout dérangé que je prenne 7 et elle 3, donc vraiment, parce que je suis pas du genre à être égoïste hein, donc vraiment ça me gênait un peu aussi, mais c'est pas de ma faute si BTS c'est son 7 et mais vraiment Léane ça l'a pas gêné du tout, c'est même elle qui m'a proposé du coup bah que je puisse prendre mes bétails quoi, et mais au moins c'est au moins elle a quand même 3 belles figurines de One Piece, donc franchement ouais voilà, elles sont juste magnifiques, je suis hyper contente. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et vous pouvez partager notre chaîne sur vos réseaux sociaux. À bientôt.